Si toi aussi, tu aimes les jolies filles comme Adixia, abonne-toi à Mega Game TV, la chaîne de Dev Thunder. Salut à tous, c'est Dev Thunder, bienvenue sur Mega Game TV, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est toujours Poussi Poussa, malheureusement. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, je me bats depuis 2 ans contre le cancer, donc c'est pas toujours évident tous les jours. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un petit peu spéciale sur la Nintendo Switch, donc c'est un unboxing de la console. Je vais vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, moi je suis très heureux de l'avoir reçu par Nintendo. En tout cas, merci à Nintendo de me l'avoir offert. C'est vrai qu'ils m'ont offert pas mal de cadeaux avec cette console. En tout cas, voilà. Donc ici, tous les accessoires, donc il y a 2 Joy-Con, un gauche, un droit. Le socle pour mettre la console, donc il y a un port HDMI et 2 ports USB, vous allez voir un petit peu dans la vidéo. Donc également donc le câble, hein, bien évidemment, la petite manette. Et en plus, je vous montre la manette Pro, à quoi ça ressemble. C'est juste une manette standard, un petit peu plus complète, on va dire, un peu plus flexible pour toutes les mains. C'est beaucoup mieux, moi personnellement, voilà. Vous avez également les petites sécurités, en fait, j'appelle ça les petites dragons sécuritaires pour ne pas balancer votre Joy-Con à gauche et à droite si vous n'êtes pas attaché, surtout dans les jeux de danse comme Just Dance 2017 que j'ai testé, je trouve ça vraiment pas mal. Le SOC permet de recharger la console bien évidemment, mais également de permettre à afficher l'image sur la télé. En plus de ça, il faut savoir qu'il n'y a pas de port RJ45 pour aller sur le net, donc il faut absolument le Wi-Fi. Maintenant, il est possible d'acheter un petit adaptateur qui coûte une trentaine d'euros pour jouer en ligne et aller sur le store. Il faut savoir que le réseau est payant, mais pour le moment il est gratuit pendant une certaine période. Après, il sera payant, il coûtera entre guillemets 20 à 25 euros. Vous recevez des jeux également, hein, c'est comme le PSN ou l'Xbox Live, sauf que c'est moins cher. Pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qu'elle a sur le capot, je ferai d'autres vidéos gameplay, vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui arrivent sur MegaGameTV. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et regardez à la fin de la vidéo, je vous offre la possibilité de gagner une de ces 2 consoles. Pour participer à ce concours, c'est très simple, il suffit d'aller sur mon site megagameleblog.com, de répondre à la question, il faut aller dans la rubrique concours, vous allez voir, c'est très simple. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao les amis. Après 3 ans d'absence, Best News revient sur la chaîne YouTube Megagame TV et débarque aussi en format radio.